Le Mozambique est parvenu à reprendre son port stratégique de Motimboa da Praia aux mains des djihadistes grâce à des troupes rwandaises. Déployées dans le pays depuis début juillet, ces troupes ont rapidement aidé les forces armées mozambicaines à remporter plusieurs victoires contre les insurgés. En un an, les terroristes avaient rendu la partie nord-est de la province de Cabo Delgado pratiquement inhabitable. Nous ne connaissons pas la cause du conflit et nous subissons des pertes sans la connaître. Nous ne sommes pas des citoyens ordinaires. Nous vivons en harmonie, mais il y avait des différences religieuses. Nous avions des gens d'autres religions dont nous ne pouvions pas tolérer les idéaux. Nous sommes confrontés à des tragédies depuis que les terroristes sont arrivés ici. Motimboa da Praia, où ont lieu les premières attaques des djihadistes liées à l'État islamique en octobre 2017, était devenu depuis l'année dernière leur quartier général. Cela ne prendra même pas plus d'un mois, car le port ennemi était Motimboa da Praia. Et comme vous l'avez vu en chemin, la plupart des ennemis ont été tués en cours de route et d'autres ont disparu dans la forêt. Nous prévoyons maintenant de poursuivre ces quelques poches ennemies le long de l'axe d'Ambao. La force conjointe a pris le contrôle de bâtiments publics et privés à Motimboa da Praia, y compris les bureaux du gouvernement local, le port, l'aéroport ou encore l'hôpital.